Allez, salut, salut les gars, c'est toujours moi, c'est Hospital. C'est toujours un plaisir de vous aider et puis c'est toujours un plaisir de faire une vidéo pour que vous sachiez au moins qu'est-ce qui se passe dans ce monde et puis quelles sont les opportunités d'avoir des bourses pour aller étudier dans une université ou bien dans un pays de WRF. Alors, donc ici, je vous présente la bourse du Canada, voilà, à l'université Melbourne. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, c'est une bonne université, vous savez tous, et puis. C'est une bonne opportunité aussi de bourse parce que il y a plusieurs bourses et puis plusieurs sélections. Voilà, donc ceux qui sont vraiment intéressés à aller postuler, vous devez suivre cette vidéo là. Mais avant de suivre cette vidéo, essayez de vous abonner, essayez de me donner un pouce bleu. Voilà, ça dit essayez de liker la vidéo, ça ne vous coûte presque rien. Donc, si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, sachez que vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225 et moi c'est du Sam Hospital juste pour vous servir. Voilà, donc pour pouvoir poursuivre cette bourse là, c'est très simple et c'est hyper simple. Cette bourse là, sachez que vous n'êtes pas obligé de faire de postuler à la bourse en question. Non, la seule chose que vous devez faire, vous allez juste postuler comme étant une université et un étudiant, un nouveau étudiant qui vient juste d'avoir son niveau. Soit c'est le baccalauréat et vous allez faire la licence, soit c'est la licence, vous allez faire le master. Voilà, donc ici la bourse que je présente, c'est une bourse graduate scholarship. Voilà, donc ici, mais n'oubliez pas, il y a assez de bourses, assez de bourses ici. La seule chose que vous devez faire, vous devez juste les postuler et puis voilà, c'est tout. Donc ici, je vais essayer comme ça de vous montrer les types de bourses qui existent. Comme ça, vous allez voir un peu comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir les postuler. Donc ici, si je viens là par exemple comme ça, vous voyez, il y a les scolarités ici, view all scholarship. Donc je vous montre toutes les scolarités, les bourses. Comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Vous voyez un peu, il y a toutes les bourses qui sont là et il y a les dates. Il y a d'autres bourses qui sont déjà fermées. Vous voyez la bourse qui est là, c'est déjà fermé. Voilà, vous devez juste voir la bourse qui vous concerne pour pouvoir postuler. C'est pourquoi, pour pouvoir essayer de le faire, vous devez passer par un autre chemin. Mais pour l'instant, je vous montre juste les bourses. Vous allez passer par un autre chemin, comme ça vous allez être référé par des bourses qui sont à vous votre portée. C'est à dire si vous êtes un étudiant de là-bas, de l'université Melbourne, vous voyez que c'est un peu différent de l'étudiant qui se trouve dans un autre pays. Donc vous êtes considéré comme étudiant étranger, alors vous n'avez pas les mêmes privilèges que ceux qui sont là-bas. Voilà, ou bien vous n'avez pas les mêmes types de bourses que ceux qui sont là-bas. Alors ce que vous allez faire est très simple. Vous ne pouvez pas directement postuler ici parce que vous ne savez pas si cette bourse là vous intéresse, si cette bourse là vous convient, ou bien si cette bourse là ou si vous êtes éligible à cette bourse. C'est pourquoi on commence toujours par un autre niveau. Mais ici, je vous montre juste les bourses qui sont disponibles. Vous voyez, il y a des bourses. Quand vous postulez, vous êtes considéré automatiquement. Vous voyez là, c'est considéré automatiquement. Vous êtes considéré automatiquement. Donc, et ici, il donne plus de 1000 bourses. Donc, c'est 1000 étudiants. Vous comprenez? Donc, et ici, nous, la bourse qui nous intéresse, c'est la bourse qui est là. Mais néanmoins, on va d'abord chercher parce que ce n'est pas seulement que cette bourse là. C'est vrai que je vais vous montrer cette bourse là, mais ce n'est pas seulement que cette bourse là à laquelle vous pouvez postuler. Il y a plusieurs types de bourses. Donc, pour ce faire, je vais me retourner, je vais aller vers le début, comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe pour pouvoir postuler à ces bourses là. Voilà, donc ici vous voyez là, c'est pour les nouveaux étudiants, les étudiants qui sont déjà là-bas. Voilà, donc ici vous cliquez sur starting a new course, vous cliquez là et à partir de cet instant là, vous allez voir que dans les normes, ils doivent me présenter un élément ici. Donc quand je clique là, on me demande est-ce que vous êtes un étudiant de là-bas ou bien vous êtes un étudiant d'ailleurs, un étudiant international. Donc vous cliquez sur étudiant international, voilà, et arrivé là, on vous demande licence masters ou bien voilà. Donc si vous voulez vous cliquer là, vous allez voir la bourse. Vous pouvez aussi cliquer là. Donc moi, je vais considérer que je viens pour le masters parce que la bourse que je vais présenter actuellement, c'est une bourse qui est plus destinée au masters. Mais les licences aussi, il y a des bourses qui sont disponibles, donc vous pouvez cliquer là pour aller voir. Donc je prends ici et on me demande ma faculté. Donc moi, je vais prendre engineering. Voilà, moi je vais prendre engineering pour ne pas trop fatiguer. Voilà, et une fois que vous arrivez là, il y a plusieurs types de bourses. Donc ici, vous cliquez sur short scholarship for me. Je vais short scholarship for me. Voilà, vous voyez toutes les bourses qui sont disponibles. Vous comprenez un peu, nous, la bourse qui nous intéresse, je vous ai déjà montré la bourse qui nous intéresse, c'est la bourse qui est là.
C'est une bourse qui est considérée automatiquement. Ça veut dire que vous devez juste postuler à l'admission et c'est tout. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous postulez à l'admission et vous attendez. Vous allez voir que ils vont vous ajouter à la bourse. Et puis, si vous l'avez, vous la considérez. Et puis voilà, c'est tout. Vous voyez qu'il y a des bourses encore qui sont disponibles. Ici aussi, c'est considéré directement. Vous voyez un peu. Donc, étant donné que j'ai choisi les paramètres en tant qu'étudiant étranger et que ces bourses s'affichent, ça veut dire que ces bourses-là aussi, vous pouvez les postuler. Voilà, mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Sinon, vous pouvez postuler à ça aussi, climat, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la bourse de Graduate Research Scholarship. Donc, je vais cliquer là. Voilà. Et ils vont vous donner les informations, toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, si vous voyez ici, no application is required. You will be automatically considered for this award. Donc, vous voyez un peu, je vais mettre en français, comme ça vous allez le dire en même temps que moi pour ne pas. Voilà, donc, aucune demande n'est requise. Vous serez automatiquement considéré pour ce prix. Ça veut dire quoi? Vous devez juste faire quoi? Postuler pour l'admission et c'est tout. Donc, ici, c'est pour tous les domaines d'études. Voilà, et ici aussi, national étudiant étranger aussi. Voilà, donc, ici, par exemple, comme ça, c'est une remise de 100%. De frais jusqu'à 110 000 dollars. Donc c'est à dire que vous ne payez absolument rien. Donc ceux qui veulent postuler, voilà, voici les démarches pour pouvoir postuler et voici les critères aussi pour pouvoir postuler. Donc si je clique sur les critères ici, pour être admissible à cette bourse, vous devez avoir postulé et satisfait aux conditions d'entrée pour un diplôme de recherche troisième cycle de l'université Tintin ou être actuellement inscrit à un diplôme de recherche de deuxième cycle à l'université TAC. Donc ici, vous voyez que ici c'est juste pour le master et le doctorat. Voilà, donc ceux qui vont prendre ça, c'est juste pour le master et le doctorat. Voilà, donc arrivé là, je vais prendre la procédure de demande ici. Mais n'oubliez pas, je vous ai déjà dit, la licence aussi pour postuler. Tout à l'heure, je vais vous montrer les éléments de licence. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que vous devez faire pour postuler pour une autre bourse. Voilà, donc ici, processus de demande. Si vous êtes un nouvel étudiant et que vous avez postulé à un cours de recherche au cycle supérieur avant de la date de clôture de candidature pour ce cours, vous serez automatiquement considéré pour les bourses de recherche. Voilà, donc si vous acceptez une offre de cours de recherche de troisième cycle et considéré pour une bourse, vous devez soumettre un formulaire de candidature en ligne avant le 31. Donc ça, c'est pour le PhD, avant le 31, pour être considéré comme pour une bourse de l'année suivante. Vous recevrez une notification indiquant qu'une demande de bourse a été ajoutée à votre dossier dans les 10 jours ouvrables. Ok, donc vous voyez un peu ici, si vous êtes actuellement inscrit au cours de recherche de deuxième cycle, vous allez aussi recevoir un formulaire et puis vous allez le remplir pour pouvoir les postuler. Donc ici, bourse de compensation de frais, compensation complète de frais. Donc, donc pour ceux qui vont avoir la bourse, ne vont rien payer. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ici, on vous demande de faire quoi? De s'inscrire maintenant. Donc vous pouvez vous inscrire maintenant et voilà, ça sera tout. Donc ici, je vais cliquer sur s'inscrire maintenant. Vous allez voir les paramètres qui sont là. Voilà, le nom, prénom, votre email, votre date, votre numéro de téléphone, votre référence ici. C'est pour quelle année? Pour l'année 2023. Donc, et vous voulez commencer ici le premier semestre, level of study interest. Vous allez prendre undergraduate ou bien graduate. Ça, ça dépend de vous. Graduate. Pour cette bourse, c'est graduate. Et the University of Maryland Community they're protecting. Yes, I have read and I have read. Vous cochez là, vous cochez là. Et vous mettez submit. Vous cliquez là, vous faites submit. Voilà, donc vous n'avez pas vraiment grand chose à faire. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Maintenant, ceux qui veulent faire la licence aussi, c'est possible aussi de faire la licence. La licence aussi, je vais changer un peu ici pour pouvoir vous montrer ceux qui veulent faire la licence. Je vais essayer de changer comme ça. Vous allez comprendre que vous avez aussi la possibilité de faire quoi? De postuler à ces bourses là. Seulement que je voulais faire une petite vidéo pour cette bourse là de graduate research. Voilà, donc ceux qui font la licence, vous allez cliquer sur undergraduate ici.
et vous allez voir les bourses qui sont destinées aussi. Ici aussi, je prends engineering. Vous allez voir un peu les bourses qui sont destinées aussi aux undergraduates. Donc, short classes for me. Donc, vous voyez ici, ça, c'est pour les undergraduates. Et vous voyez que ici, c'est quoi? C'est fermé, fermé, ferme. Ici, il y a considération automatique. Tout ici, c'est fermé. Donc, vous voyez ici, où c'est considération automatique. Il y a 1000 bourses aussi à partager. Et ici, c'est Melbourne International Undergraduate Scholarship. Donc, vous cliquez là. Voilà. Et vous voyez ici, approximation, 1000 bourses à pouvoir partager. Donc, voici les critères. Et puis, voici aussi la processus du quoi pour postuler. C'est la même chose. Donc, si vous voulez postuler aussi, vous cliquez là. Registre nom. Et c'est tout. Et c'est tranquille. Voilà. Donc, vous n'avez pas grand chose à faire. Et à la suite, lorsque vous allez recevoir votre mail, ils vont vous diriger sur une plateforme et vous allez de là-bas remplir et postuler pour une admission normale. Voilà, donc je rappelle encore ceux qui sont vraiment intéressés pour ce type de bourse là, vous pouvez m'écrire inbox, il y a mon contact inbox, vous pouvez me joindre là-bas et on va essayer comme ça de vous aider à les postuler. Voilà, donc les gars, c'était moi de Sam Hospital. Surtout, n'oubliez pas de me donner un pouce bleu, essayez de liker la vidéo tant que vous pouvez. Voilà, donc c'était moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne 1 de Monsieur Le Russe 225. A plus les gars. Allez, salut, salut les gars, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur Le Russe 225. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse qui est la bourse de Taïwan. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, ça sera une bonne opportunité pour vous parce que vous savez déjà que Taïwan c'est un bon pays et puis il y a la qualité aussi de l'enseignement qui est hyper, hyper intéressante. Et ce que je voulais vous dire d'abord, pour ceux qui viennent juste de voir ma vidéo, ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, s'il vous plaît. Lorsque vous suivez la vidéo, essayez aussi de liker la vidéo, voilà. Essayez de liker la vidéo et si c'est la première fois de vous voir ma chaîne YouTube, essayez aussi de vous abonner. Voilà, donc likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Voilà, donc, comme je vous le disais, ici c'est la bourse de Taïwan, du gouvernement taïwanais. Donc, pour ceux qui veulent postuler, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler et puis quels sont les éléments que vous devez avoir pour pouvoir postuler. Donc, mais dans un premier temps, je voulais aussi vous montrer rapidement les scolarités pour ceux qui ne vont pas avoir la bourse. Voilà, si vous venez ici, frais de scolarité, et si vous venez dans futur étudiant, frais de scolarité et frais de subsistance. Donc, ici, si vous cliquez là, vous allez voir que ici, par exemple, voilà, donc frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Vous voyez que les frais de scolarité sont de 39 000 dans leur monnaie. Voilà, donc je vais essayer de traduire un peu leur monnaie par rapport à l'euro ou bien voilà. Donc ici, faculté des sciences, faculté de génie et tout. Et ici, faculté des sciences humaines, je vais dire que ici c'est plus la littérature et ici c'est la science. Donc la littérature, voici un peu les prix qui sont là. Et les frais d'hébergement aussi, c'est ça qui est là. Donc je vais essayer de traduire un peu. Donc je vais aller sur, par exemple comme ça, Google. Et je vais mettre comme ça franc taïwanais ou bien franc taïwanais tout. Ok, donc je vais prendre ça comme ça. Voilà, donc nouveau dollar de Taïwan en euros. Donc ici par exemple comme ça, si je prends les frais qui sont là, 39 990, et que je copie un peu là, 39 990,
ça va faire environ, vous voyez que c'est hyper intéressant, ça va faire environ 1300 ou bien 1310 euros. Et pour une année d'études à 1310 euros, vous voyez que c'est hyper intéressant. Donc, pour ceux vraiment qui veulent aller étudier là-bas en Taïwan, voilà, vous avez l'opportunité de le faire. 1330, je crois que c'est hyper moins cher. Voilà, et ici, si je prends l'élément qui est là en ce qui concerne les frais d'hébergement, ça part de 6370 à 16 000. Donc, je considère que les 16 000, c'est vraiment hyper occupé et bien, bien fait. Donc, 6370, si je prends par exemple comme ça, 6370, 6370, vous voyez que les frais d'hébergement, ça fait combien? Ça fait 208 euros. Donc, vous comprenez, c'est juste pour vous montrer que là-bas, il n'y a pas, c'est pas assez cher. Donc, pour ceux qui veulent aller postuler, qui veulent aller étudier là-bas, par leurs propres moyens aussi, c'est possible. Maintenant, pour nous qui n'avons pas d'argent, pour nous qui n'avons pas de parents assez aisés, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer comme ça de postuler à la bourse. Donc, pour postuler à la bourse, vous venez dans Bourse ici. Voilà. Vous venez dans Bourse et on va voir les paramètres de bourse. Si vous avez bien remarqué, ici, il y a plusieurs types de bourse. Vous voyez, il y a plusieurs types de bourse. Mais ce qui nous intéresse, c'est la bourse qui se trouve ici. Voilà, donc étudiant doctorat, voici ce que l'étudiant doctorat reçoit chaque fin du mois. L'étudiant de master et doctorat. Ici, l'étudiant de quoi? De la licence. Voilà, donc la bourse prend en compte la scolarité. Et ici, cette bourse doit être réappliquée chaque année. Donc, vous voyez, chaque année, vous allez appliquer ça à cette bourse-là. Dans le système de candidature en ligne pour les étudiants internationaux de l'Université nationale de Tsinghua, ici, veuillez cocher la sélection demande de bourse, des informations sur la candidature personnelle pour postuler à la bourse d'études internationales de l'Université de Tsinghua. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Le reste, peut-être après, et aussi, vous voyez ici, la date est déjà passée ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la bourse d'études des universités nationales, de l'Université nationale de Tsinghua pour étudiants internationaux. Voilà, donc c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour les postuler et puis quels sont les documents nécessaires pour pouvoir les postuler. Donc, je viens ici encore dans ici, futur étudiant. Voilà, et je vais essayer comme ça de voir information sur la candidature pour les étudiants étrangers. Donc, je vais venir là pour voir un peu l'admission. Et puis, par rapport à l'admission, vous allez postuler aussi à la bourse. Donc, ici, par exemple, comme ça, par exemple, c'est comme ça, pour pouvoir postuler à la bourse, il faut d'abord passer par l'admission. Et lorsque vous passez par l'admission, vous allez remplir directement sur le site que vous voulez une bourse. Voilà, donc ici, pour le processus, voici les étapes. Donc, notre étape 1, c'est de faire quoi? C'est de s'enregistrer sur le site. Donc, je vais revenir tout à l'heure dessus. Vous allez avoir votre mot de passe, vous allez entrer sur le projet pour pouvoir remplir vos éléments. Vous allez remplir le formulaire en ligne, vous allez remplir les informations de recommandation. Là, ce sont les règles de la lettre de recommandation. C'est la lettre de recommandation, vous allez remplir cela. Et vous allez payer aussi des frais. Donc, comme vous voyez ici, étant donné que les frais ne sont pas assez élevés, voilà, vous allez payer ces frais-là. Les documents de candidature, vous allez mettre en ligne, envoyer les informations de candidature après confirmation. Après avoir confirmé les informations téléchargées, cliquez sur envoyer pour terminer le processus de candidature. Donc, lorsqu'on va aller sur le site, je vais vous montrer tout ça, comment ça se passe. Et à l'étape 7, enquête sur l'état de votre demande, vous pouvez aller sur le site pour aller voir si vous avez si vous êtes admis ou pas. Et documents requis pour la candidature, veuillez d'abord vérifier si le département auquel vous souhaitez postuler accepte les candidatures. Voilà, donc accepte les candidatures d'étudiants étrangers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire des mathématiques, vous devez d'abord vérifier est-ce que les mathématiques veulent des étudiants étrangers. Si ce n'est pas le cas, alors vous changez et vous trouvez une autre faculté pour pouvoir postuler. Voilà, donc ici, ça concerne un peu les documents à préparer, une copie du formulaire de demande d'admission, voilà, et du système, une copie du système de candidature en ligne pour étudiants étrangers du bureau des affaires mondiales. Alors ça, ce n'est pas grand chose. Et voici un peu le document, vous pouvez lire là, vous allez voir un peu le document. Ce qui est intéressant, c'est ça concerne c'est ce sont les éléments concernant le doctorat et le master. Voilà, donc vous pouvez lire là et puis vous allez trouver comment ça se passe. Et puis vous allez trouver aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir postuler à cette bourse. Ici, confirmation de l'éligibilité pour les étudiants étrangers diplômés. Donc, si je clique là, on va voir un peu
le style d'éligibilité. Ok, je crois que c'est assez de choses. Les étudiants étrangers qui postulent pour étudier au Canada sont limités à une seule fois pour les cours inférieurs au baccalauréat. Les étudiants étrangers qui demandent à étudier à Taïwan pour étudier au niveau du baccalauréat ou en dessous restent en Chine pendant moins d'un an, abandonnent l'école et perdent leur statut d'étudiant pour une raison quelconque. Peuvent présenter une nouvelle demande pour étudier en Taïwan. Ok. Ici, les précautions, nous, on n'en a pas besoin. Donc, on va aller rapidement pour aller chercher à postuler à cette admission-là et aussi chercher à postuler à la bourse. Voilà. Donc, ici, je viens là et je vais sur. Je viens là, futur étudiant, et je vais sur information de candidature pour étudiants étrangers. Donc, arrivé là, je vais sur le lien que je vous avais montré là. Voilà. Et comme vous le voyez bien, la date limite, c'est le 30 septembre 2022. Donc ça veut dire que vous avez au moins 52 jours ou bien 51 jours, voilà, pour pouvoir postuler à cette bourse là. Donc ça a commencé depuis le 1er août. Nous sommes aujourd'hui le 8 août. Donc il vous donne un mois ou bien 51 jours pour pouvoir postuler à leur bourse. Alors moi je viens dans l'application ici, apply ici. Voilà, et de là, pour pouvoir postuler ici, application, vous allez d'abord forcément vous enregistrer d'abord sur le site. Et lorsque vous finissez de faire votre enregistrement, c'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant essayer de remplir pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, si moi je vais dans Register, ici, je vais d'abord essayer de m'enregistrer. Et puis, par rapport à cela, je vais postuler maintenant à la bourse. Donc, ici, je m'enregistre rapidement. Essayez de faire comme moi, c'est pas compliqué. Ok, bon password. Le password, si vous voulez, vous prenez ce qu'il y a là, mais vous voyez que c'est un peu compliqué. Peut-être que vous allez oublier après. Donc, vous-même, vous créez votre password. C'est pas un problème. Il n'a pas donné les conditions sur le password, donc j'espère que ça va passer. Voilà. Ok, donc ici vous mettez le captcha qui est là. Il croit que c'est 05, s'il voit bien 0567. Donc vous mettez 0567. Voilà, et vous faites submit. Voilà, donc on va voir et puis on va comme ça essayer. Vous avez vu ici, ils ont mis success. Ça veut dire que ça a été bien fait. Donc là maintenant, je vais aller dans mon compte sur ma boîte mail pour aller voir le message que j'ai reçu. Ainsi, je pourrai maintenant. Essayer de confirmer et venir ici directement pour m'insérer là. Parce que si j'ai fait par exemple, on va vérifier si ça passe. Si j'ai fait par exemple un login ici, vous voyez, ça me renvoie directement sur les plateformes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, on peut commencer déjà à pouvoir remplir et pouvoir travailler directement. C'est-à-dire que ici, pour cette plateforme-là, vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre mail. C'est vrai qu'ils vont vous envoyer un message. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir là-bas pour pouvoir postuler. Voilà. Donc, ici, c'est le Spring 2023 Application Deadline for Guideline for Student. Et pour ceux, par exemple, comme ça, qui veulent voir un peu comment ça se passe, comment faire pour remplir et tout ça, vous pouvez venir là, vous allez regarder, vous allez télécharger ce document-là. Et par rapport à ça, vous allez regarder aussi quelle est la procédure. Mais seulement. On va espérer que c'est en anglais. Voilà. Sinon, si c'est en chinois, vous allez abandonner aussitôt que possible. Voilà. C'est en anglais. Donc, vous pouvez lire là et puis essayer de voir comment est-ce que vous allez faire. Application of following the bachelor programs must complete and upload the required purchase. Subject as listed below. How long with the admission application before the deadline? Example, the application of the Department of Power Mechanical Engineering must be completed. The process of physics and calculus. Please note, process can be downloaded from the online system after you fail. Ok, donc ici on va d'abord essayer de postuler à ces éléments-là. Voilà.
Donc, les éléments qui sont possibles. Ici, par exemple, comme ça, on nous dit que pour le bachelor, les éléments dont les facultés que vous pouvez postuler, ici, on dit, exemple, the applicant of Department of Power and Mechanics must be completing the pretest of physics and calculus. Please note, pretest can be downloaded from the online system. Voilà, donc, c'est-à-dire que ici, en physique et en calculus, en calcul, voilà, vous allez pouvoir télécharger là-bas en ligne et pouvoir remplir directement. Donc, ici, par exemple, comme ça, on va aller rapidement pour aller chercher à faire quoi? À remplir notre formulaire qui est là et essayer aussi de postuler. Donc, ici, comme ça, on dit, please read the application guideline carefully because of starting your application. Donc, any requirement regarding to program requirement document, please contact the program and department which is listed in the guideline for accurate. Ok, donc on va télécharger pour Spring 2023 et à partir de cela, on va pouvoir voir un peu les programmes qui sont là-bas. Donc on va espérer seulement qu'il y a aussi l'anglais, sinon si c'est en chinois, on va abandonner sur le champ. Ok, donc je vais voir rapidement les éléments dont on a besoin. Donc, si vous remarquez très bien ici, par exemple comme ça, application fee, the total amount of apply programs, the total amount for apply fee. Donc, les application fee, c'est-à-dire les frais de dossier. Donc, si vous appliquez pour un seul élément, si vous appliquez par exemple comme ça pour un seul programme, alors ça fait 2000 dans, par rapport à leur monnaie. Et si vous appliquez 2000 par rapport à leur monnaie, ça fait combien? Si je viens là, 2000 par rapport à leur monnaie en euros, ça fait 65 €. Voilà. Donc, si vous appliquez pour une seule faculté, c'est 65 €. Si vous appliquez pour deux facultés, c'est toujours 65 €. Mais si vous appliquez pour trois facultés, alors ça fait 4 000 €. Si vous appliquez pour 4 facultés, ça vaut aussi 4 000 dollars taïwanais. Vous comprenez? Voilà. Donc, et ils disent que pour les Ukrainiens, c'est gratuit. Ok, ça, on connaît, on sait ça déjà. Ok, donc, à part de cela, maintenant, on peut savoir, vous savez déjà un peu quels sont les filles que vous devez mettre en ligne. Et puis, quand je dis filles, c'est. Les frais du dossier, c'est 65 €. Donc, pour ceux qui veulent postuler, 65 €. Si vous pensez que vous ne pouvez pas postuler, alors vous devez comme ça essayer de trouver une autre bourse. Donc, ici, vous allez voir un peu les équipements. Pour ne pas que la vidéo prenne assez de temps, je crois que je vais faire une vidéo spécialement sur ça. Et puis, essayer aussi de vous montrer comment est-ce qu'on postule grâce à cela. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, sinon vous pouvez venir directement ici pour pouvoir essayer de postuler. Voilà, une fois que vous mettez l'élément en ligne ici, ça sera en vert pour dire que c'est done et puis c'est fini avant de pouvoir faire un start ici. Donc vous allez cliquer là directement pour faire un start online application et ainsi vous allez voir quels sont les éléments dont vous avez besoin. Donc si je clique là directement, vous pouvez aller ici, c'est juste vous montrer un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et tout. Parce que ça, c'est le guideline. Pour ceux qui veulent vraiment postuler, ça, c'est le guideline. Si vous voulez, vous pouvez essayer aussi de pouvoir lire et puis remplir. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez remplir directement, vous commencez directement. Mais de toutes les façons, moi, je vais essayer d'enregistrer cette vidéo-là et puis je vais vous montrer aussi ici comment est-ce qu'il faut postuler. Donc, les gars, à tout à l'heure. Et puis... à plus en même temps.